Mission TV, le miroir du monde. Par mot de rythme, mais c'était pas par conviction personnelle. Alors il s'est fait qu'à un moment j'ai reçu Jésus-Christ, mais j'étais encore jeune, je ne l'avais pas encore reçu dans mon cœur. Alors ça faisait que j'étais dans la musique mondaine. Vraiment, j'étais dans la musique mondaine, là, j'étais dedans. Et j'étais dans le péché de gêne actuellement, la porno, de toutes ces choses-là. Oui, dans le bon camp, hein. Ma Mission TV, le miroir du monde. Homo Forti, c'est Lucia. Homo Forti, c'est Lucia. Eh bien, vous nous suivez de partout. Bienvenue dans votre émission Best Gospel avec la présentation de celui qu'on appelle Tonton Bems de Jésus, Bems Badjoko, ici sur Ma Mission TV. Best Gospel, c'est une émission 100% musique et chrétienne urbaine. C'est pour vous donner les actualités, les informations de vos artistes chrétiennes. Alors, pour bien commencer cette émission aujourd'hui, je suis accompagné de celui qu'on appelle le frère Péniel. Bonjour, frère Péniel. Bonjour. Comment vous allez déjà? Oui, je veux bien. Merci par la vraiment, ça se sent par la grâce de Dieu. Pour commencer, c'est Best Gospel sur Ma Mission. Chers internautes qui vous suivent déjà, est-ce que pourriez-vous nous parler pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà? Oui, je suis le frère Péniel Mambo, artiste musicien chrétien. Artiste musicien, vous louez seul ou bien il y a un... Avec, accompagné d'un groupe, Accenti Musique. Accenti Musique, oui. Accenti Musique qui est déjà qui soit lui, mais. Ouais, ouais, en soit Accenti, c'est merci. Merci, ça veut dire. Alors donc, merci pour la vie éternelle, ouais. Pour les saluts, pour tout ce qu'il a fait, pour ses bienfaits, pour ses bontés. Ah ouais. Accenti. Mais pour commencer, frère Péniel, tu es lui qui est génial. Vous étiez dans le monde. Est-ce que vous relatez sur moi l'histoire de Zalaki pour le loup, ma frère Péniel, un serviteur de Dieu? Parce que c'est tout le monde a une histoire à raconter. Un passé. Avant Jésus-Christ, c'est qui est vrai. Et il faut toujours qu'il y ait un passé, un présent. S'il n'y a pas ça, c'est que tu n'as pas connu le Seigneur. C'est que avant. J'étais bien sûr que né dans une famille chrétienne, mais je n'avais pas une relation personnelle avec Christ. La vie chrétienne, c'était par mot de rythme, mais ce n'était pas par conviction personnelle. Alors, il s'est fait qu'à un moment, j'ai reçu Jésus-Christ, mais j'étais encore jeune, je ne l'avais pas encore reçu dans mon cœur. Alors, ça faisait que j'étais dans la musique mondaine. J'étais dans la musique mondaine, là, j'étais dedans. Et j'étais dans le péché de gêne actuellement, la porno, de toutes ces choses-là. Ah oui, bon, dans le bon camp, moi. De toute façon, j'ai pas honte de dire ça parce que c'est mon passé. Et mon passé, c'est déjà derrière moi et toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Et je le dis dans les buts d'édifier quelqu'un. Oui. Peut-être tu es dans ça et j'aimerais te dire que Christ peut te délivrer de ça. Donc, j'étais dans toutes ces choses, mensonges. Mais lorsque j'ai reçu Christ dans ma vie, il a commencé à me séparer de ces choses, du mensonge. Il a commencé à me séparer de la pornographie. Il a commencé à me séparer de la musique mondaine. Et j'avais plein dans ma machine. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a dit supprime. Et j'ai tout supprimé. Et tout a changé. Il y a une nouvelle vie qui a commencé. Oui, oui. Il y a un passé, un Péniel avant Jésus-Christ. Et un Péniel avec Jésus. Avec Jésus-Christ. Et après avoir reçu Jésus-Christ. C'était déjà comment votre vie? Est-ce qu'il y avait des gens qui croyaient? Parce qu'on sait que c'est pas facile. Une personne que nous tous nous connaissons qui était dans une vie qui ne glorifie pas Dieu, et directement comme ça, à ti qui m'a ramené, on sort pour servir Dieu. Tu sais, il y a aussi le rejet. Hein? Bon, il y a le rejet surtout pour des personnes qui l'a vivement reboyé, peut-être, et il y a Nengé Morbé. Moi, par exemple, étant né déjà dans une famille chrétienne, il y avait certains principes qu'on faisait déjà, qu'on nous a inculqués dès l'enfance, que je ne faisais pas naturellement. Alors ça fait que lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, c'était lorsque, par exemple, la pornographie, quand tu regardes, il n'y a personne là. Il n'y a personne. Et oui, oui. Et lorsque tu mens, peut-être déjà, je donne l'air sérieux là. Non, si je mens, tu ne sais pas. Alors, on dit qu'on ne va pas comprendre. Mais moi-même, je savais qu'on a bêti, on a aussi. Et dans la musique mondaine, bien sûr, mes parents, ma mère disaient toujours, Peignet, c'est la musique mondaine. Je disais, maman, en réalité, il n'y a pas de différence, trop de différence. J'avais tous les mots français pour expliquer, pour justifier la musique
musique profane. Et, mais ils ont compris après que j'ai abandonné la musique profane et c'était leur joie. C'était leur joie de me voir évoluer dans les choses de Dieu. Ils m'ont vu grandir dans les choses de Dieu, évoluer. Nous sommes en train d'évoluer crescendo. Et aujourd'hui, oui. Frère Peniel, serviteur de Dieu, et vous avez commencé la musique. Parlons-nous maintenant de votre carrière musicale. Oui. Vous avez commencé votre musique depuis tout petit ou bien après avoir Jésus-Christ, c'est là où vous avez compris que votre mission est de servir Dieu au travers de votre voix ou comment? Ou bien vous avez aussi commencé avec la musique mondaine comme chanteur mondaine, après se convertir, donner sa vie à Jésus-Christ et au Romain Belanzambe ou comment? Bon, j'ai pas commencé comme un chanteur mondain, mais je chantais déjà. Dans une famille chrétienne, je rappelle, déjà à l'église, si tu as une belle voix, tu chantes. Mais ça n'a rien à voir avec une relation personnelle avec Christ. Alors, je chantais déjà, je jouais au tam-tam à l'église. Et puis, à un certain moment, je jouais à la guitare, même à la guitare basse. Mais il n'y avait pas une relation avec Christ. La musique, ça a déjà commencé depuis. Mais c'est lorsque je pris l'engagement de servir Christ, c'est lorsque j'ai eu conscience de Dieu, lorsque Christ se révéla à moi, c'est lorsque j'ai changé mes motivations. Parce qu'il est possible d'être un chanteur, de chanter une musique qu'on dit chrétienne avec des mots ou les thèmes chrétiens, mais que tu aies une mauvaise motivation. Alors mes motivations c'était autre, chanter juste pour plaire aux gens, chanter parce que j'ai une belle voix, mais actuellement c'est tout un sacrifice. J'offre ma voix. C'est là où maintenant il y a un carrière qui a commencé. Et comment ça a commencé maintenant pour émerger jusqu'à aujourd'hui? Oui, ça a commencé, on était avec des amis avant, on travaillait. Et puis, un temps, il y avait des amis qui ont abandonné. Avant, d'abord, j'étais dans un groupe où j'étais coaché. Après être coaché, j'ai commencé à travailler. On s'est retrouvé avec quelques amis. On travaillait. Et puis après, on a formé les groupes. Et il y a un moment où ça n'allait plus dans le groupe. Alors, Dieu m'a convaincu de commencer quelque chose de particulier. J'ai gardé le nom, Accenti, vu que c'est un nom. On venait avec les amis, mais c'était là qu'avait commencé ma propre carrière et ma propre vision. Eh bien, c'est là où qu'on commence déjà notre émission Best Gospel avec le frère Peniel Mamboubnomoboyo qui que. Bino Mamboubo Tsara qui va servir à Otara, le Koloba Koloka, maman, bam, maman, serviteur de Dieu et tout. Non. Mutnamutu azana passé naie et tout le monde autour quand que faire peigner trois ans a passé naie mais ils a passé mon goût et l'équipe déjà mais peut-être yo peut aussi vivre dans la ville au monde bongo ils a passé mon beau et édifier que toi aussi l'Éternel t'attend, toi aussi l'Éternel t'attend et tout. Et aujourd'hui il y a une génération qui vient de se donner en fait. Il y a une génération qui vient de naître. À l'époque ça a commencé pour faire la musique, pour faire la rumba que nous tous connaissons, la rumba, le sebe et tout. Mais directement, paf, il y a un style qui vient, le gospel, c'est tout le monde maintenant qui veut faire du gospel. C'est quoi le truc en fait? Ah bon, ça dépend de qui veut faire quoi et par rapport à quoi il a quel appel. Bon, ça dépend. Moi, ce qui est vrai, c'est qu'il y a certaines personnes qui font des choses par mouvement, mais il y a d'autres qui les font par conviction, par appel ou par nature. Ouais. Il y a des gens qui font la musique rumba parce que naturellement, leur style, lorsqu'ils chantent, on sent que c'est la rumba. Mais il y a d'autres personnes qui, lorsqu'ils chantent, on sent que c'est du gospel. Et je pense que tout ça, ça vient de l'influence de ce qu'on entend. Parce que moi, par exemple, j'ai trop écouté la musique gospel et ça fait que je reproduis ça. Et je sens que mon appel, c'est par rapport à ça. Mais il y a d'autres personnes aussi qui font bien la musique rumba. C'est leur appel. Donc, je pense déjà, que c'est... Déjà, j'ai une question. Vous avez dit que vous avez trop écouté la musique gospel. C'est quoi déjà, quelle définition nous pourrons en avoir pour la musique gospel? Parce que moi je suis là, je regarde bien, je écoute bien le gospel. Il y a il y a un chaîne que je ne vais pas citer le nom. Mais tu vas voir un musicien mondain que nous tous nous connaissons en train de passer dans cette chaîne qui est 100% gospel. Gospel à moi, c'est un style. Ton gospel à moi, c'est une musique qui a un zambé. Bon, il faut le différencier au sens large et au sens strict. Au sens large, c'est que gospel, c'est en anglais, c'est évangile. Donc,
toute musique où on parle de Jésus, où on élève Jésus, où on prêche l'évangile, c'est une musique gospel. Ça fait que même nos musiques ici, c'est possible. Lorsque tu fais même la rumba, tu chantes pour Dieu, tu prêches l'évangile, tu fais le gospel. Mais il y a aussi, c'est pas un style. D'abord, ça c'est au sens large. Au sens strict, il y a aussi un style qui s'est développé, gospel. C'est un style qui est venu au fait des esclaves noirs qui étaient déportés aux États-Unis, et c'était parmi des chansons qu'ils chantaient. Ils chantaient les blues, le jazz, et c'est ce qui a fait que ça engendrait les gospel, parce que c'était une musique qu'on chantait dans les églises, et c'est cette catégorie de musique qu'on appelait naturellement gospel. Ouais. C'est ça. Donc, au sens large, c'est une musique où on parle de Jésus, on prêche Jésus. Mais dans, au sens strict, il y a juste des styles appropriés ou peut-être on parle aussi de Jésus, mais avec des styles étrangers. Bon, nous connaissons que un artiste a appelé mon idole, mais bon, on pourrait pas dire idole, mais. Ouais. Moi, mon roi, là, il n'a pas compris que t'es mentionnant sa musique, oui, c'est parce que n'a eu pas un tel, un tel. Ok. Déjà, c'était quoi déjà vos influences, déjà, vos influences? Les personnes qui m'ont influencé dans la musique, c'est le frère Koulmatope. Koulmatope m'a beaucoup influencé. Il y a aussi un autre que n'a bien aimé, père spirituel, live, parce que j'aime bien, j'ai trop regardé ses lives et j'ai suivi même depuis le bazar, c'est Ron Kenoli. Vraiment. Je suis ébloui. Donc, il y a King, il y a Koulmatope. Ouais, il y a Koulmatope. Bon, j'ai écouté plusieurs musiciens, mais plus avec le frère Koulmatope. Vraiment, on m'appelait même Koulmatope parce que j'ai l'écouté à un contre-temps. Mais Koulmatope, on a caractère parce que quand on écoute aujourd'hui le frère Peignet, c'est vraiment du frère Peignet. J'ai mon tarolo baké. Bon, je peux, c'est qui est vrai, je peux me démarquer par moi-même, mais il y a toujours comme ça. On commence toujours, quelle personne ne commence déjà avec son identité. De fond, on se cherche, c'est comme un enfant qui se cherche, qui fait deux pas. Et de fois, on se cherche. Alors avant, c'était la personne que je travaillais la plus. C'était le frère Koulmatope. Donc je travaillais, j'écoutais, j'avais tous les albums du frère Koulmatope. Donc quand même j'étais dans des fêtes, on m'appelait même en famille, on savait qu'il y a Koulmatope. Mais après, j'ai pu travailler ma voix, j'ai pu me perfectionner, j'ai pu créer mon chemin, frayer mon chemin. Mais... Depuis que vous avez commencé votre carrière professionnelle, ça fait déjà combien de temps? Professionnellement, comme musicien, je pense que ça fait 2013. Donc 2013, nous sommes en 2018. Un projet, il y a déjà un album, un EP. Il y a eu un album. Un album qui s'intitule Expression de mon cœur. Expression de mon cœur, combien de temps? Il y a 10 titres et depuis 2017. 10 titres, 100% frère Peignel, bien. Oui, 100% frère Peignel. Il y a aussi, il y a juste une chanson, c'est une louange medley. C'est, j'ai arrangé juste. Au bout de featuring, Pena. Bon. Comme si c'était la guerre, avec un album, bon. Dans le cas où on tombe, il n'y a pas ni. C'est parmi les conseils que j'ai reçus de mon pasteur. Et c'est qu'on ne fait pas des featuring pour que. Pour la Namuto, pour que. Mouta Bimisao, non. Il y a Laurent Zimate qui nous a dit on fait des featuring par conviction. Si tu crois que je peux chanter à cette chanson ici, mais ah, vraiment, non, ça, Namuto. Alors, je n'ai pas été convaincu. C'est pas que. Featuring, c'est pas un problème. Mais j'ai parlé d'une chose, la conviction, être convaincu. Ah, mais la santé, pour Nzimbo, la ruine bonne à telle, Mais ça, t'es ah bon, Nzimbo, son habitant amoureux, Nzambo, tombe la raté. Nzimbo, ici, m'batté, donc il faut n'a qu'un ma batte bébé. Vraiment, j'ai suivi plusieurs featuring, et batte featuring, mais ça est l'autre. Donc, pour dire que c'est pas un featuring qui donne la qui élève une chanson ou qui donne du succès à une chanson. Si c'est un featuring inspiré par l'esprit, là ça marche. On a vu plusieurs featuring marcher. Frère Michel Bakenda, Pasteur Henri Papa, ça a marché. Mais il y a d'autres featuring au sein de Pena que. Flop. Featuring, mais. Yeah, featuring. Il est bien habitué. Et comment déjà l'album évolue? Il est qui bien? Et même pas prestations? Oui, il y a eu des prestations, sauf que on a toujours un problème, surtout les musiciens, les artistes, tous les jeunes artistes chrétiens, c'est que la plupart des personnes nous apprécie bien, mais sans nous soutenir. Tu chantes bien, vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu t'assiste. Or, Dieu pour bénir, il passera par des hommes. Dieu passe toujours par des hommes. Des fois, tu peux être un canal de bénédiction
de Dieu pour ma vie. Mais la plupart des personnes, ça reste toujours dans des mots, que Dieu te bénisse. On n'est pas soutenu. On n'est pas soutenu. Ça fait comme en train de se battre parce qu'on a le fardeau, on a la passion, on a la vision. On dit Dieu a donné, on s'y met. Mais la plupart des personnes soutiennent zéro. Eh bien, ça c'est ma mission, ça c'est ma mission. Je sais que ma mission m'a cassé. Donc, Bokibian, c'est le frère Peniel qui chante très très bien, qui vient de faire sortir son tout premier album. Donc, c'est donc qu'ils veulent bien soutenir ces œuvres de Dieu, re-soutenir les lones locaux, pour nous propulser, Moussala, et bénir. Alors, il faut soutenir cette œuvre de l'Éternel qui fera bien à vos vies, à vos familles, parce que Toebi et Loroni Nzambabumbe. Alors, pour ceux donc qui veulent bien vous contacter, surtout pour le soutien, parce que ça c'est ma mission. On a étant mon père numéro, ok. Pour ceux qui voudront nous contacter, ils peuvent contacter le +243 81 224 47 47. Dans le +243 +243 81 224 47 47 +243 81 224 47 47. Et là c'est le numéro du frère Peniel Mambou. Si vous voulez bien contacter le frère pour soutenir et tout, numéro est en moi na bobenga pour soutenir frère pour nous salan nzambe ki ne liboso to bénir pe batu mususu nzamba pe si talent nzamba pe si nyonso oyo il faut. Mais baba toujours mutu po mutaya soutenir yo mo fona pa moko ye wana biti album ba concert et tout boy boy boy. Le 3 juin même vous avez un concert. Ah oui, le 3 juin vous avez un concert au Palm Beach. Plus parler pour vous voir. Ouais, c'est 3 juin nous avons un concert au Palm Beach à partir de 15h. Et nous serons là pour glorifier Dieu, pour élever Jésus. Et je crois que le nom de Jésus sera élevé au plus haut niveau. Alors, j'invite tout le monde à y être, à y participer. Il y aura des invités, des personnes qui ont accepté de m'honorer par leur présence. Il y aura Maman Nadège Mbouma, elle sera là. Il y aura aussi le frère El George. Non, frère El George, ici, Mbaye Mimtenaïb, ça y est déjà. Non, le frère El George, ici, Mbaye Mimtenaïb. El George. Mbaye Mimtenaïb, frère Rouen, ici, Mbaye Mimtenaïb. Il y aura aussi El George. El George qui sera là et ensemble on va glorifier. Il y a un featuring qui et on est en train de travailler déjà dans la cuisine, ça sent très bon. Donc, envie de manger, envie que tout le monde a déjà le 3, mais je vous invite et je crois que vous passerez des moments excellents dans la présence de Dieu. Eh bien, c'était Best Gospel avec la présentation de celui qu'on appelle Tonton Bam de Jésus, votre humble le concertant qui était devant vos petits écrans pour vous présenter cette émission. Mon invité, c'était le frère Peniel Mambou qui a parlé de lui, qui a parlé de son parcours, qui a parlé aussi de son album et en plus de son concert qui est ce 3 juin. Nous sommes au Boutana, à Palm Beach. Alors, il faut soutenir l'artiste Nazo Betelamo toujours. C'était et ça, c'était ma mission TV. J'aime bien et je salue celui qu'on appelle Elie Comfort, ce qui était derrière la caméra, sans oublier celui qu'on appelle Adrislam Pechak, sans oublier Jenny, soit j'ai mon frère, je t'aime bien, je vous aime bien, fidèle téléspectateur, que Dieu vous bénisse. Alors je vous laisse avec le frère Peniel Mambou pour un petit live, un petit freestyle. On se retrouve la semaine prochaine, merci déjà. Un petit playback là pour rendre gloire à Dieu, pour tout le fan qui vous soutient. Ok. Oza Oyo Monoko nanga eko kikolo bateo Oza hoyo Mabanzo nanga eko kiko kanisa teo Oza likolo Yamayeli nanga pebo moto nanga o Oza nzambe Oza nzambe. Oh, comment expliquer ces si grands dieux que l'univers ne peut contenir, qui n'a ni père ni mère, qui a tout créé sans être lui-même créé. Tu étais, tu es et tu seras pour l'éternité. Monoko ni nyango eko kiko limbola. Homo Forti, c'est lui qui a. Homo Forti, c'est lui qui a. Ma mission TV, le miroir du monde.